À Listre, sur 60 hectares de terrain, Jean Cardi et ses deux fils vivent du lait de 550 brebis. Apprenant cette année que la fièvre catarrhale était identifiée en France sur des bovins, il a voulu faire vacciner son troupeau. Les services de l'État lui ont alors appris que cette année, ni les répulsifs contre les insectes vecteurs de la maladie, ni le vaccin ne seront fournis gratuitement. Il est furieux. Si on ne peut pas faire venir le vaccin, que la catarrhale commence à envahir les troupeaux, si les bêtes meurent et qu'elles ne sont pas vaccinées, on va nous rétorquer que le fonds d'indemnisation n'interviendra pas. Alors, on peut arriver, catastrophe, scénario catastrophe que nous ne souhaitons pas, on peut arriver à se trouver sans brebis et sans moyens. Que devient l'homme sans le monde animal pour se nourrir? On va manger du carton. Son fils est également très inquiet. On n'est pas préparé parce que les gens sont plus attentifs au Covid et ne se soucient plus des bêtes. C'est un virus qui ne meurt qu'en dessous de 10 degrés. Et si la chaleur venait à arriver, il se pourrait qu'il arrive très fort. Les services de l'État confirment tout en justifiant la décision. Il y a eu plusieurs raisons. D'une part, c'est une maladie qui entraîne des troubles de la reproduction chez les ovins, mais qui finalement passe dans un régime normal comme n'importe quelle autre maladie. Et le fait aussi que dans les 3 ans qui ont été prolongés pour la Corse, il y a eu peu d'engouement en fait, des éleveurs pour cette vaccination. La dernière année, c'est-à-dire l'année 2020, nous n'avions que 35% des moutons qui étaient vaccinés, alors même que la vaccination était gratuite. Et d'ailleurs, ça nous a conduit à jeter pas mal de doses qui s'étaient périmées sur le chemin. Si Jean Cardi et ses fils veulent malgré tout protéger leurs troupeaux, ils auront peut-être droit à un vaccin venu d'Espagne. Il leur en coûtera 3 800 euros de leur poche.